avec moi. On va se bronzer entre mer et ciel, se prélasser sur un yacht au soleil, pendant Chirac attend la prison. On va se bronzer. Oui, ben casse-toi, pauvre con. Oh. Mon short. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser si je suis un peu essoufflé, mais maintenant que je suis payé deux fois plus, j'ai oublié de courir deux fois plus vite pour justifier mon salaire. Hein, hein? Comment s'enfoirer? Bon, je vais le dire ici, hein, si t'es un homme. Ouais, bah, si t'es une femme, ça m'intéresse aussi, je suis preneur. Je pense qu'il y a d'extraordinaire quand même à ce que le salaire du président de la République soit aligné sur le SMIC du Premier ministre. Vous en connaissez des patrons qui sont payés moins que leurs employés, vous? Non. Alors, je suis peut-être payé 140% plus que Chirac, mais lui, il n'en foutait pas une rame. Hein? On le voyait quoi? Une fois par an à la télé, pour les vœux. Moi, on me voit tous les jours à la télé. Vous savez combien ça coûte? Hein? Combien c'est payé, une vedette de la télé? Je vous dis pas, c'est indécent. Demandez à Arthur, hein? Et encore, lui, il est moins drôle que moi. Moi, je dis ce que je fais. Je fais ce que je dis. Et je fais ce que je veux. J'ai dit que j'allais faire la rupture. Vous voyez? Et il y en a pour m'applaudir, même quand je fais ce que je veux. J'ai dit que j'allais faire la rupture. Je l'ai faite avec Cécilia. Hein? J'ai dit que j'allais faire l'Union méditerranéenne. Je l'ai faite avec Carla. D'ailleurs, pour faire rager Bernadette, j'ai même emmené ma future belle-mère au Vatican. Montrer que c'était pas une blague, j'ai emmené Bigard avec moi. Parce que l'amour, c'est comme la politique, avec moi, faut pas que ça traîne. Hein. Et puis si je peux rattraper le retard de Jacques Chirac, ben, y a pas d'autre solution que de passer à la vitesse grand V. J'espère bien entraîner avec moi d'ailleurs tous les Français de Neuilly, les Français de Deauville, les Français de Courchevel, de Saint-Tropez, de Monaco, et même les Français de Suisse, oui. Car je sais qu'il y en a, des Français de Suisse. J'ai les noms, oui. Car ensemble, tout devient possible. Alors bien sûr, il y en aura toujours pour me reprocher ma politique d'ouverture. Mais Jack Lang, c'est quand même pas la première fois qu'il change de couleur. Il est passé de la chemise rose au ciré jaune sans problème à Boulogne pour séduire les marins pêcheurs. C'est vrai qu'il a beaucoup souffert, Jack Lang. Hein. Il était pas bien avec les socialistes, ça se voyait. Il était tout crispé. On aurait dit qu'il faisait une pub pour préparation H au dragé Fuca. Hein. Enfin, l'homme de toutes les ouvertures, c'est bien Jack Lang. Hein. Ouverture à l'avant avec la fête de la musique, ouverture à l'arrière avec la pyramide du Louvre, la Gay Pride. Mais de toute façon, Jack Lang, il ne se serait jamais entendu avec Ségolène Royal. Pourquoi? Pourquoi il ne se serait jamais entendu? Ben, je vais vous le dire. Oui, je vais lui demander les réponses. Il ne se serait pas entendu, pourquoi? Mais parce que lui, il a toujours défendu le chabichou, enfin plutôt Ségolène, et lui, il a une tête de vieux pané. Voilà. Mais moi aussi, je suis capable de faire une politique de gauche. Pourquoi je ne ferais pas une politique de gauche? Je vous demande pourquoi je ne ferais pas une politique de gauche. Et si d'ailleurs mon premier acte symbolique, sitôt élu, a été de monter dans un jet privé, c'était bien pour montrer que je voulais en finir une fois pour toutes avec cette politique des charters, lancée par Charles Pasqua. Alors bien sûr, il y a quelques faux pas, notamment lorsque j'ai fait évacuer un immeuble vétuste plein de noirs sans savoir qu'il s'agissait de l'ambassade du Togo. Mais enfin bon... Chacun a pu rentrer chez soi après étude des dossiers au cas par cas. Parce que la France, c'est quoi? La France, c'est quoi? Moi, je vous le demande. Je vais vous le dire. Hein? La France, c'est un pays qui est composé d'individus de toutes les origines, de toutes les tendances. Et c'est pourquoi j'ai accueilli dans mon comité de soutien des intellectuels aussi différents que Stevie, Arnaud Klasfeld ou Doc Gineco. Parce qu'ils partagent tous la même vision de la France que moi. Sans parler de Gilbert Montagnier qui, lui, depuis toujours, me suit les yeux fermés. Mais moi, je dis... Moi, je dis que la France doit rester fidèle à sa réputation de terre d'accueil. Si Enrico Macias a quitté l'Algérie, ben c'est parce que les filles de son pays, c'est quand même un peu plus voilé que les filles de Sarkozy. Hein? Si Ingrid Betancourt a choisi la France, ben c'est pour son retour, c'est parce que la nourriture française est quand même un peu meilleure que celle qu'on lui a servie dans la jungle pendant 6 ans. Quant à Mireille Mathieu, elle a quitté le Japon, il était temps, parce qu'à force de bouffer des sushis, ben elle finissait par ressembler à un thon. Ben oui, mais je lui ai dit, je l'aime bien Mireille Mathieu, elle a toujours été de notre bord. Hein? Elle a encore voté De Gaulle aux dernières élections. Mais là, je crois qu'elle va chanter la Marseillaise. Alors, pour une fois, vous avez le droit de siffler, tiens. Puis après, on se retrouve chez le pape, parce que j'ai rendez-vous avec Benoît.
d'enfants de la patrie, nos jours de gloire sont ravivés grâce à toute la Sarkozy. Les vieilles stars se sont réveillées. Les vieilles stars se sont réveillées. On les a vues dès la campagne mugir leurs funestes aréas qui ont jusqu'au fond des tympans déchiré vos oreilles mélomanes. Nos armes, citoyens, ce sont nos postillons. Chantons, chantons. François Fillon. Bien, mesdames et messieurs les journalistes, je suis très heureux de me trouver dans cet endroit très, très sympathique, très bien décoré, qu'est le Vatican. Dans ce cadre, reçu par sa papauté. Son souverain pontife, voilà, que je remercie de son accueil, dont je suis d'ailleurs chargé par Angela, Gordon, Vladimir et Babar, Barak, oui, de l'embrasser. Voilà. Alors oui, bien sûr, si je suis ici, ce soir... Allô? Ben non, mais là, je peux pas, chérie. Je t'ai dit, je suis au Vatican. Non, vraiment, Carlita, je peux pas. Bon, alors, juste le début, mais vite fait. Hein. Le début de la chanson, vas-y, j'écoute. Oui, j'entends la guitare, oui, oui. J'entends surtout la guitare, d'ailleurs, oui. Non, mais ça tourne bien, ça a l'air de bien tourner, oui, oui. Ah, il est très bien, ton gimmick, là. Tchik, 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 tchabadom, tchoum, tchoum. Tchik, 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 tchabadom, tchoum, tchoum. Ça va marcher, hein. Ah bon, mieux que le dernier, j'espère, hein, oui. D'accord. Non, bah écoute. D'accord, merci, chérie. Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Allez, un peu plus tard, hein. Ça va? D'accord. D'accord. Oui, parce que là, je suis... Enfin, non, tu me vois pas, mais je suis... Hein? D'accord, allez. Alors, excusez-moi, avec Benoît, nous étions... Je me permets, parce que c'est encore une chose qui nous rapproche, Benoît et moi. Benoît 16, moi j'habite le 16e, avec Carla, hein. Ah ben, je peux pas habiter le 9 cubes, c'est sûr, hein. Puis d'ailleurs, vous non plus, on pourrait pas vous appeler Benoît 9 cubes, ça le ferait pas, hein. Donc, avec sa sainteté et son excellence, nous avons parlé de choses et d'autres avant d'aborder les sujets sérieux. Alors, vous savez qu'il joue du Mozart, Benoît? Il joue très bien du piano, hein. Il m'en a joué, on a sympathisé, il raconte des histoires drôles aussi. Ah oui, il est pas si rigide qu'on le dit, hein. Il m'en a raconté une, il m'a fait mourir de rire. C'est deux parmesans qui rentrent dans une pizzeria et qui demandent: est-ce que Mozart est là, hein? Elle est drôle, celle-là. Hein? Mais ça, c'est tout Benoît. Hein? Ça, il est pour ça. Alors, on est passé au motif de ma visite. On va passer maintenant à ce motif. Je suis là parce que, évidemment, avec sa sainteté Benoît, hein, je suis en... Ah non, c'est pas les Galeries Lafayette, là. Non, je peux pas vous passer rayon bricolage. C'est une erreur. C'est pas les... Oui, ben, casse-toi, pauvre con, oui. Donc, en accord avec Angela, Gordon, avec Vladimir et Babar, j'ai proposé à son excellence... C'est pas vrai, ça. Ah non, Louis, c'est pas le moment. Papa est avec le pape. Oui, le pape est avec papa. Oh, papa, oui. Quoi? Hein? T'es avec Napoléon? Tu veux une claque ou quoi? Écoute, Louis, j'ai déjà la Syrie, la Tchétchénie, la Géorgie, le Poitou-Charentes, le triangle des Bermudes. Alors tu me lâches avec ton carré de l'hypoténuse, hein? Tu te débrouilles tout seul. Quoi? Hein? Il a raccroché? Quel sale gosse, je crois pas. Donc, mesdames et messieurs, j'ai donc proposé à Ben de prendre le contrôle de la Banque du Vatican. Hein? Ah, tout le monde était d'accord, Angela, Gordon, Babar, Vladimir, tout le monde sauf lui. Mais c'est normal, hein? Il était normal aussi de dialoguer pour faire comprendre les avantages pour lui. Puis on a dialogué avec sa sainteté et ma sainteté, ma présidence. Enfin, je lui ai bien dit, Ben, tu es déjà contre le contrôle des naissances,
tu ne peux pas être encore, en plus, pour le contrôle des banques. Je comprends. Mais maintenant que la Suisse commence à balancer au fisc américain les noms des gens qui ont des comptes en Suisse, il faut aider ces mêmes gens à transférer leurs économies de Suisse au Vatican. Il n'est pas normal que les plus démunis ne puissent pas transférer leurs millions d'euros de Genève à Rome. C'est toujours le secret, mais bon, là c'est le secret de la confession pour toi et le secret bancaire. Ah. Alors Cécilia, c'est pas le moment. Oui, bah t'arrêtes de me bombarder avec des coups de téléphone, des SMS. Je te signale que, quand même que mon portable, je l'ai donné à Bernard Laporte. Oui. Alors c'est lui qui a reçu ton dernier texto, annule tout, je reviens. Bah, il devient fou, et il annule tous ses rendez-vous, et il dit à tout le monde qu'il va se marier avec toi. Ouais. Alors arrête, c'est pas... Hein, on est d'accord? Bah, tu me laisses tranquille maintenant. Non, c'est pas la peine de me rappeler. Hein? Allô, Christian? Ah, Christian Clavier, excusez-moi. Oui, Christian, c'est pas possible. On t'a crevé les quatre pneus de ta voiture? Excusez-moi, j'ai une affaire d'état.